Bon. Il y en a qui ont pensé que je me suis fait step par du monde. Non, du tout. Anthony Mehani, ce sacré policier de Laval. Tu vois, moi, le problème, c'est que c'était un problème avec moi. Tu viens me voir, tu me dis, regarde, tatati, tatata, on règle ça, on passe à autre chose. Avec grand plaisir, je passerai à autre chose. Mais si tu viens face à face et tu me menaces de ce que si je parle encore sur les réseaux sociaux, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça. Tu penses vraiment c'est là où je vais arrêter? Tu penses vraiment que je vais dire, ok, si il m'a fait peur, j'arrête? C'est exactement à ce moment-là que je vais encore plus exploser. Tu vois, live, il y a quoi? Peut-être une dizaine de plaintes à cause que j'ai mis ces vidéos qui a frappé du monde patati sur les réseaux sociaux. Il y a une dizaine de plaintes à la déontologie. Ben aujourd'hui, ça sera la 11e. Puis c'est moi qui va la faire. Puis je vais vous montrer comment on fait une plainte online. Ok? Parce que ce qu'il m'a dit hier se dit juste. Ce qu'il m'a dit hier se dit juste pas. Puis je pense qu'il a fait exprès pour que je craque. Pour que je fasse un fou mouvement. Pour qu'il en profite. Pour qu'il m'arrête. Pour qu'il dise, ah, il a fait ci, il a fait ça. Mais non, moi je suis plus intelligent. Je craque pas. J'ai gardé le sourire. J'ai gardé mes deux mains sur mon verre. Pour pas qu'il me dise, ah, qu'est-ce que t'as mis dans tes poches? Qu'est-ce que t'as fait ci? Qu'est-ce que t'as fait ça? J'avais mes deux mains sur mon verre. Ça veut dire que la main droite tenait le verre, la main gauche tenait la paille. Exprès. Pas parce que. Tu comprends comme. Pas parce que je buvais, puis je savais pas quoi faire, j'étais stressé. Je faisais exprès de garder mes mains à vue. Tu comprends? Pour pas qu'il me dise une excuse. Bon, je vais vous raconter les étapes de qu'est-ce qu'il m'a dit, puis etc. Oh, c'est ça. J'arrive au resto, je prends deux verres. Je sors dehors, fume une cigarette. Cigarette parce que j'ai craqué. Je vois Equinox, je vois Eclipse, je pense que j'ai vu sortir du Québec. En tout cas, c'était une douzaine de policiers. Dès qu'ils sont arrivés, stationnés, je suis rentré. Moi, quand je rentre, je fais un verre, je suis debout. Ils sont rentrés dans le club là où j'étais, club, resto, bar, je sais pas quoi là. Ils rentrent dedans. Première chose qu'ils viennent, c'est devant moi. Ils me croisent du regard. Ils me parlent pas. Ils me disent pas allô, ils me disent pas bonjour. Mais ils me croisent du regard, mais vraiment un regard méchant. Pour que je le regarde ou je craque ou je dis quelque chose, mais ils viennent me step. Ou allô. Ils me regardaient, je regardais ailleurs. Là, je regarde ailleurs. Tu comprends? Ils sont partis faire le tour du club. Moi, je pensais que c'était fini, il n'y a pas de stress. Ils sont partis faire le tour du club. Patati bullshit. Ils sont revenus. Devant moi, ils étaient au moins 8. Juste moi, là. Juste moi, il y avait 8 policiers. Je suis comme, hein? Ok. Là, le mini pitbull. Quand je dis mini pitbull, parce que c'est la première fois de ma vie que je le vois, puis je pensais au moins qu'il était grand ou de ma taille ou je sais pas, bon, mais tout petit, mais je sais pas, des drôles, là. C'est pas drôle, là. Comme cette situation est pas drôle, là. Vraiment pas. C'est ça. Ils ont fait le tour. Là, il vient, il me step. La première chose qu'il me dit dans l'oreille, il me dit, hein? Qu'est-ce que t'en penses, hein? Comment tu te sens maintenant, hein? Hein? Ton ami que tu m'as exposé avec, là, hein? Il se fait exploser la tête, hein, avant-hier, hein? Hein? Comment tu te sens? Tiens? Déjà là, c'est ça qu'il m'a dit en partant, là, comme l'entrée, là. C'est comme juste pour. La première chose qu'il m'a dit, c'est, hein? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, hein? Ton ami, il se fait shot, hein, dans la tête, hein, au restaurant, hein? Qu'est-ce que t'en penses, hein? Là, j'étais comme. J'ai pas dit un mot tout le long. Là, il me dit, hein, tu m'exposes sur les réseaux sociaux, hein? Tu m'exposes, hein? Moi, aujourd'hui, là, c'est la plus belle journée de ma vie. Je vais gâcher ta vie. Tu vas voir. Donne-moi tes pièces d'identité. Je vais te donner un ticket sur tout ce que tu as dit sur les réseaux sociaux. Hein? Ticket? Comme ticket de quoi? Bon, je parle sur les réseaux sociaux. Comme de quoi tu parles, là? Ticket de quoi? Ouais, je parle argumenter. Je n'ai même pas dit un mot. Tu sais quoi, un mot? Rien. Wello. Zéro nada. Tu comprends? J'ai donné mes pièces d'identité. Première chose qu'il me dit, il montre ça à son collègue, puis son collègue il est comme, je suis comme, oh, c'est quoi ces comédiens là, là? Hein, c'est quoi ces comédiens? Là, je donne ma pièce d'identité, il regarde son collègue, c'est comme s'il regarde, on sait où il habite, on sait où il habite, hein? Là il me dit, tu connais le karma? J'étais comme, il me dit le karma, tu connais-tu? J'étais comme, là il me dit, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Hein, maintenant, je sais où tu habites. Comment un policier peut dire ça à un citoyen, bon? Je sais où tu habites maintenant. Hein? Tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Tu sais où j'habite? Je sais où tu habites. Je sais où ta mère habite. Oublie pas que tu vois, non? Un policier me menace de où j'habite. Comme qui fait ça, bon? Qui fait ça? Déjà là, bon, juste ça, juste cette phrase-là, je l'ai dit en déontologie policière, c'est fini, là.
C'est fini, là. Un policier qui me menace, je sais où t'habites, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Tu connais-tu le karma? Je suis comme, ok. Tu fais, bon, habibi, guys, j'ai pas dit un seul mot. C'est quoi un seul mot? Ça l'a énervé encore plus. Ils sont restés stationnés devant moi. Quand je dis stationné, c'est debout pendant un esti de bout. On me dit, t'es chanceux que t'es avec tes amis parce que je t'aurais rentré dans le mur. Qu'est-ce que tu fais à Laval? Hein? Qu'est-ce que tu fais à Laval? Mais tout ce temps-là, moi, je parle pas. Hein? C'est qu'il parle tout seul. Là. Il parle dans mon oreille. Il me pousse avec son chest, ben, son mini chest parce qu'il y a le gilet pare-balles avec Tanky Walky Bullshit. Hein? Et il me poussait avec ça juste pour que je réagisse. Mais il y avait quatre autres policiers qui étaient. Moi, j'étais entouré. Bon. Là, au lieu de rester debout, je suis malin. Au lieu de rester debout et il continue à me toucher, je me suis assis. Je mets mes deux mains encore sur le verre. Là, mon ami s'est appelé de moi. Puis ils sont restés stationnés pendant un bon 20 minutes devant moi, là. Comme devant là. Tu comprends? Moi, je suis là juste pour prendre 2-3 verres. Bon, il n'y a rien que tu peux faire pour que je m'énerve. Rien! Je les ai toutes faites, je les ai toutes passées, là. Rien que tu peux faire pour que je m'énerve. Que ce soit un policier ou un gars, ou un loup, je m'énerve juste pas. J'ai trop à perdre. Pourquoi je vais m'énerver? Bon, j'ai trop à perdre. Si j'avais rien à perdre, ouais, je peux faire. Ouais, j'ai acheté. Il a dit les deux gars que tu m'as exposé avec, hein, les deux sont morts maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop fou, ça. Moi, tu peux dire ce que tu veux, mais tu peux pas parler de la mort de quelqu'un, beau. Comme tu peux pas parler, la personne n'est plus sur cette terre. Pourquoi tu parles de la personne encore? Puis, c'est toi qui parles de karma? Puis tu parles de quelqu'un qui vient juste de partir? D'accord, beau. D'accord. Comme je vous ai dit, guys, je vais encore mettre ses vidéos. Je vais encore mettre son numéro de matricule. Et tous les enfants de chiennes qui ont eu un problème avec lui et qui n'ont pas porté plainte, vous êtes les plus grosses salopes que je connais sur Terre. Je ne vous connais pas, mais vous êtes les plus grosses salopes. Parce que comment un policier peut te faire du mal et tu fais rien? C'est pas possible, beau. C'est pas, ça se fait pas. Ça se fait pas. Sauf si ce gars-là t'a fait quelque chose, je vais vous montrer en direct quoi faire. Un policier qui dit, je sais où t'habites, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Là, il montre ma carte à son collègue. Son collègue était comme un pingouin comme lui, là. Guys, je sais où t'habites. Yo, bon, je sais même pas comment réagir à ça. Je sais où t'habites. Puis après, qu'est-ce qu'il y a? What's the next step? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer des policiers chez moi? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis il a dit à un de mes amis, il a dit, dis à ton gars d'arrêter de le mettre sur les réseaux sociaux parce qu'on va le rentrer dans le mur la prochaine fois. On va le rentrer dans le mur, il a dit. Ok. On se voit quand? C'est quand le mur? Il est où? Hein? Je t'ai dit, bon, moi, tu viens, tu me parles, gentleman, on se donne props, tu me dis je m'excuse, tu décolisses, on passe à autre chose. Mais live là, tu viens d'allumer un... Tu viens de m'allumer tout court. Bon, je vais pas te lâcher, là. Je vais pas te lâcher, là. Zéro, là. Zéro nada, là. Je vais pas te lâcher, bon. Mais quand moi, je sais très bien, là. Vous savez tous très bien que quand je dis je vais pas lâcher quelqu'un, je lâche pas. Hein? Je vous l'ai assez prouvé. So, guys, celui-là, je vais pas le lâcher. Je l'ai déjà éteint. Il est déjà suspendu. Là, maintenant, je vais l'éteindre encore plus. Voilà. C'est où t'habites. Et là, il me parle de fraude, il me parle de ci. Bon. J'ai le même numéro de téléphone depuis 8 ans, 7 ans, 8 ans. Le même numéro de téléphone. Dans le sens que je ne change pas de numéro de téléphone. J'ai pas de PGP, j'ai pas de Weaker, j'ai pas de Telegram, j'ai pas. Tu comprends? Puis, mets-moi sur écoute. Comme le policier un jour, c'est à part si on l'a déjà fait. Tu me mets sur écoute ou tu mets sur filature. Tu vas te couper une veine. Tu vas te demander c'est quoi mes revenus. Tu vas être comme what the fuck. Qu'est-ce qu'il fait lui, man? Il fera pas de guiche, il fait pas de F, il fait pas. Il touche pas la drogue, zéro, il touche pas aux armes à feu. Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux savoir qu'est-ce que je fais? Allez, viens. Viens. On est bien. Comme je sais que j'ai des policiers dans mon snap, des journalistes dans mon snap, ça c'est. Et après? Puis après, qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends? Bon, gaspille pas de l'argent du contribuable pour mettre quelqu'un comme moi sur filature ou sur écoute. C'est de l'argent gaspillé, tu vas te suicider. Bon,
je te le jure sur ma vie, tu vas te suicider, tu vas être comme, hein? Mais il va voir personne, il tue avec personne, il parle pas au téléphone. J'ai un téléphone là, j'en ai pas quatre comme certaines personnes. J'ai un iPhone. Tu vas te couper une veine, bro. Tu vas te couper une veine. T'es comme, hein, mais. D'où il sort son argent, lui? Du baroque, bro. Allez, viens. Ouais, t'as trop la rage. T'as trop la rage. Ouais. 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 Anthony, fils de...